Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar El Bled de Hassan Atlemsen. L'Algérie brille encore une fois par son absence dans des indicateurs de performance. Cette fois, non seulement elle est quasi absente au classement mondial, mais pire, elle a disparu même au classement africain. Un séisme financier pour l'Algérie. L'Algérie absente du classement des marchés financiers africains les plus développés en 2022. Il s'agit cette fois du classement des marchés financiers africains les plus développés en 2022 à cause de la gabegie des caporaux des services secrets français, érigés en généraux et imposés par la France à la tête de l'État algérien. L'Algérie ne figure même pas dans les 25 les plus importants marchés financiers africains et n'enregistre aucun progrès notable ou particulier dans le domaine de développement des services financiers. Une très mauvaise performance qui choque tous les Algériens et qui donne une idée sur les grandes carences de l'économie algérienne causées par le refus des militaires qui dirigent tout en Algérie de rejoindre leurs casernes et de ne plus s'occuper de tout en Algérie. Le Forum officiel des institutions monétaires et financières vient de dévoiler le 13 octobre dernier la 6e édition de l'Absa Africa Financial Market Index, réalisée en partenariat avec le groupe de services financiers sud-africain Absa Group. Le rapport évalue l'ouverture et l'attractivité de 26 marchés financiers sur le continent africain. Ce classement Absa Africa Financial Market Index 2022 qui vient de sortir se base sur plus de 40 indicateurs regroupés en 6 catégories: la profondeur du marché, l'accès aux devises étrangères, l'environnement fiscal et réglementaire, la transparence du marché, la capacité des investisseurs locaux, l'environnement macroéconomique et les normes juridiques et leurs forces exécutoires. Et il n'est pas choquant que l'Algérie ne soit retenue dans aucune de ces catégories en raison de son niveau de sous-développement élevé dans le secteur financier et bancaire. Le fossé se creuse ainsi dans ce domaine entre l'Algérie et les autres pays africains les mieux notés par ce rapport. L'Afrique du Sud, qui est classée en première position dans deux catégories d'indicateurs, la profondeur du marché et l'environnement fiscal et réglementaire et transparence du marché, il est également bien classé dans les quatre autres catégories. L'île Maurice arrive en deuxième position dans le classement général avec un score de 76 points, devant le Nigeria troisième avec 69 points. Ces deux pays conservent leur rang par rapport à la précédente édition. Viennent ensuite l'Ouganda avec 66 points, le Botswana avec 66 points, la Namibie avec 65 points, le Ghana 65 points, le Kenya 61 points, en 9e position le Maroc avec 60 points, alors que l'Égypte avec ses 57 points ferme le top 10 africain. Tous ces pays africains en plus de 16 autres, au total 26 pays africains, sont plus développés que l'Algérie sur le marché financier qui permet de financer l'économie tout en permettant aux investisseurs de placer leur épargne. En l'absence d'une bourse digne de ce nom en Algérie et avec des banques étatiques encore totalement arriérées et accrochées à une économie rentière, l'Algérie n'arrive même pas à rivaliser avec certains pays africains qui ont des moyens très modestes et ne possédant aucune richesse naturelle particulière. Tout ça à cause des caporaux qui ont ruiné l'Algérie et qui refusent d'aller retrouver leurs casernes, car tellement ils ont goûté au beurre, du pétrole et du gaz dont regorge le sol algérien qu'ils ont développé leur gourmandise et veulent maintenant
le beurre et l'argent du beurre.